Et nous étions arrivés à l'étude du Saint-Esprit. Nous avions eu une première étude sur le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Nous allons poursuivre dans cette réflexion sur la place du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Nous avions vu comment le Saint-Esprit agissait d'une façon quelque peu limitée dans l'Ancien Testament, beaucoup plus discrète que dans le Nouveau, mais néanmoins qu'on retrouve des points communs entre l'action du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, et que l'action du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament nous permet de comprendre la manière dont le Saint-Esprit agit aussi, non seulement dans le Nouveau Testament, mais jusqu'à notre époque, c'est-à-dire jusqu'au retour de Jésus. Nous avions vu comment le Saint-Esprit communiquait à l'homme de Dieu la révélation, ce que l'hébreu appelle « chazon », qui est à la fois par prophétie, révélation, vision, etc. C'est un mot très dense au point de vue sens, n'est-ce pas? Et que dans ce temps, en quelque sorte, où l'homme de Dieu mange la parole, s'imprègne de la parole, il est en quelque sorte passif. Il écoute, il regarde, et il assimile le message dont il va devenir le porteur. Puis vient un deuxième temps où l'homme de Dieu va être actif. Et intervient alors ce que la Bible appelle le Machal. Machal ou Massa. Massa signifie littéralement le fardeau. La parole de Dieu communiquée au prophète devient pour lui comme un fardeau. Une réalité qui pèse sur son cœur et dont il doit se libérer. Et comment s'en libère-t-il ? En le communiquant à ceux auxquels ce message-là s'adresse. Jérémie a décrit ce phénomène quand il dit qu'il y avait des moments où le message que Dieu lui communiquait était un message tellement difficile à donner qu'il aurait voulu se taire. Mais que ce fardeau était tel pour lui qu'il était obligé de communiquer alors même qu'il aurait envie de se taire. Il était en quelque sorte presque, pour pouvoir être soulagé, eh bien, il se devait de parler. Il y a aussi un autre personnage biblique qui décrit ce phénomène du Massa, c'est Eliou, le quatrième ami de Job, le plus jeune, celui qui s'était tu pendant que ses aînés parlaient, et quand les trois amis de Job n'ont plus rien à lui déclarer, Eliou, lui, va parler. Il dit, voilà, je me suis tué, mais maintenant, il y a, dit-il, comme un feu qui brûle au-dedans de moi, je suis comme une outre qui bouillonne, dans laquelle il y a un vin qui fermente, et il faut que je parle pour respirer à l'aise. Et donc, Eliou va parler. Ça, c'est le Massa. La parole de Dieu devient un fardeau dont le prophète doit se libérer en le communiquant. Et il le fait au moyen du machal. Machal, c'est un mot qu'on traduit par oracle, mais c'est aussi le mot qu'on emploie pour désigner les paraboles. Par exemple, quand Jésus parlait en parabole, il parlait en méchalim, dit l'hébreu. Machal, c'est aussi le titre du livre des Proverbes en hébreu. Proverbes, ce sont les Michelets. Qu'est-ce que c'est que le Machal ? Le Machal, c'est l'expression par l'Esprit Saint du Chazon qui a été révélé, qui a été communiqué. Et là, le prophète, l'homme de Dieu, va exprimer aux oreilles du peuple
la parole qu'il a reçue, la parole qu'il a, dont il s'est imprégné. Et comme dira l'apôtre Paul, il le fait non pas en employant un langage humain, des paroles humaines, mais il emploie un langage spirituel pour parler des choses spirituelles. Ça veut dire que les paroles qui sont les siennes vont être inspirées par le Saint-Esprit. Et là est la différence essentielle entre la révélation et l'inspiration. La révélation, c'est ce temps où l'homme de Dieu est passif, il écoute, il reçoit et il s'imprègne de la parole. Là, il n'y a aucune inspiration, c'est la révélation, le phénomène de la révélation. Mais dès que l'homme de Dieu va parler, alors il va être inspiré par l'Esprit de Dieu. D'abord parce que l'Esprit de Dieu provoque cette pression intérieure du massa, du fardeau. Et puis deuxièmement, parce que les paroles qu'il a reçues, il va les dire comme Dieu veut qu'elles soient dites. Avec les paroles que Dieu veut qu'il emploie. Jésus disait cela quand il parlait de sa relation avec le Père. Il disait, les paroles que je vous dis, elles ne sont pas de moi, mais je les ai reçues du Père, c'est lui qui me les a enseignées. Et ces paroles-là, je vous les dis comme le Père me les a dites. Ça veut dire que il n'y a pas dans l'expression prophétique d'initiative, je dirais, humaine, même si le Seigneur respecte la personnalité du prophète. Certain que le langage d'Ésaïe n'est pas le même que celui d'Amos. Le langage de Paul n'est pas le même que celui de Pierre. Mais ce sont les paroles même que le Seigneur voulait qu'ils emploient. Et c'est là l'inspiration. L'inspiration, c'est pouvoir exprimer selon les paroles de l'Esprit, selon la volonté de l'Esprit, ce que le prophète a au préalable reçu de Dieu. Alors bien sûr, ici, nous schématisons un peu, obligatoirement, pour la compréhension. Ce n'est pas aussi tranché toujours que ce que je dis. Il peut y avoir, si vous voulez, révélation et inspiration qui se télescopent, qui sont quasi simultanées. C'est-à-dire que on peut recevoir, par exemple, la révélation d'une phrase, dire la phrase, et puis ensuite vient une autre révélation, d'une deuxième phrase, etc. Enfin, il est évident que là, il y a toute une liberté de l'esprit qui se manifeste. Mais en tout cas, on peut dans chaque cas retrouver ces deux réalités, la révélation d'une part et l'inspiration d'autre part. Et comme nous l'avons dit, on peut avoir reçu une révélation et en parler sans inspiration. On peut en parler avec ses propres mots. C'est pour ça, c'est très important de donner une prophétie au moment où il y a la pression de l'Esprit de Dieu. Et lorsque, par exemple, quelqu'un a reçu quelque chose, une pensée de Dieu, qu'il ne l'a pas donnée pour une raison ou pour une autre, et qu'il vient dire après, le Seigneur m'a montré ceci, etc., etc., bon, c'est mieux que rien. Mais il y a quelque chose qui est perdu. Parce que là, il n'y aura plus, l'inspiration n'est plus là. Il va parler de ce qu'il a reçu de Dieu, mais avec ses mots à lui, ce ne seront plus les mots de l'Esprit. Ce ne seront plus, comme dit l'apôtre Paul, les mots qu'enseigne l'Esprit. Il en parlera sans inspiration. On peut avoir aussi une inspiration sans révélation. Par exemple, quelqu'un qui va parler par l'Esprit de Dieu dans une prophétie et dire, voilà ce que le Seigneur vous dit, n'ayez pas peur, souvenez-vous que je suis mort pour vous, etc. J'ai répandu mon sang. Et bon, il n'apporte aucune révélation nouvelle. C'est des choses que l'on sait. Il n'y a pas de révélation. Mais il y a une inspiration. Il y a une inspiration parce que le Seigneur voulait que ce frère-là rappelle des choses qui sont connues, mais parce que dans ce moment-là, le peuple de Dieu en a besoin. Ça, c'est l'inspiration sans révélation. Mais lorsqu'il y a révélation et inspiration, alors là, nous sommes vraiment dans la lignée prophétique, je dirais, de l'Ancien Testament. Donc, si vous voulez, c'est une mise en contact
avec la source de la révélation qui provoque le machal, l'expression prophétique. Alors ici, il y a une grande, grande différence qu'il nous faut faire avec les oracles païens. Vous savez, souvent on nous objecte cela, oui, bien sûr, mais le phénomène prophétique n'est pas spécifique à Israël. Les païens aussi avaient des prophètes, on connaît des prophètes à Babylone, on connaît des prophètes en Assyrie, on connaît des prophètes chez les Grecs. Il y avait les fameuses Pythies, il y avait l'oracle de Delphes, enfin, toute une foule de choses, etc. Bon, encore aujourd'hui, il y a des gens, des médiums, etc. Bien. Maintenant, il y a une différence fondamentale entre le surnaturel de Dieu et le surnaturel de Satan. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir bien dans l'esprit. C'est que le prophète, l'homme de Dieu, n'est jamais un possédé. Il n'est jamais possédé par l'esprit. Il garde toujours le contrôle de lui-même. Il ne tombe jamais en transe, perdant conscience. Et l'action de l'esprit n'est jamais une action mécanique. Et ça, c'est le contraire de ce qui se passe dans les phénomènes diaboliques, dans les phénomènes de voyance, dans les phénomènes d'occultisme. Celui qui est l'instrument de la révélation, entre guillemets, est un instrument passif entre les mains de l'esprit, entre guillemets, qu'il possède. Il perd conscience, il perd le contrôle de lui-même. Et le phénomène est un phénomène mécanique. Or, avec le Seigneur, ce n'est jamais ainsi. L'esprit du Seigneur, comme disait Donald G. est un gentleman, il respecte toujours la personnalité de tous ceux qu'il inspire. Ce qui est le propre de l'Esprit de Dieu, c'est qu'il y a toujours collaboration entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme. Nous avons dit, il peut y avoir une inspiration telle, et nous le voyons dans, par exemple, les phénomènes des codes, que l'inspiration se fait à la lettre près. Mais en même temps, il y a la liberté de l'homme. Jérémie était pressé par l'esprit, mais il pouvait se taire. Il pouvait ne pas parler. Il n'était pas contraint. Et quand ces hommes-là parlaient, c'était aussi leur parole. Parole de Jérémie qui fut, parole de Dieu qui fut adressée à Jérémie. Parole de Dieu qui fut adressée à Ésaïe. L'Éternel parla à Moïse et dit, en sorte que Jésus, par exemple, dira, « Moïse vous a dit deux. » C'est Moïse et c'est Dieu. C'est les deux. Jésus, parlant des apôtres, dans la prière sacerdotale, dira aussi ceci, « Je te prie non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront en toi, par leur parole. » Leur parole, c'est la parole de Dieu. Et en même temps, c'est leur parole. C'est la parole de Matthieu, c'est la parole de Luc, c'est la parole de Jean, c'est la parole de Jacques, c'est la parole de Pierre, c'est la parole de Paul. Et en même temps, c'est la parole de Dieu. Et ça, c'est la pierre de touche de l'inspiration véritable. Si il y a une perte de conscience, une perte de contrôle de soi, quelque chose de mécanique qui se produit, ce n'est plus l'Esprit de Dieu. Autre différence entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit diabolique, c'est que l'Esprit de Dieu agit toujours en dehors de toute technique. Par contre, l'occultisme a toujours recours à des techniques. Je crois qu'on a un exemple biblique typique, c'est l'histoire de Balaam, à la fois prophète véritable et en même temps occultiste. Quand il agit en tant qu'occultiste, il emploie des techniques. Il fait dresser cet autel, il fait offrir des animaux sur les autels, et la Bible nous dit, il va au-devant des pratiques occultes, ce qu'on appelle en hébreu nahash, qui vient du mot serpent, parce que souvent, justement, les devins païens prédisaient l'avenir en contemplant les évolutions des serpents. C'est pour ça que le serpent était un animal sacré pour eux. Oui, le pythoniste vient aussi effectivement du recours à cette observation des serpents. Donc, Balaam allait au-devant des Nechashim, au-devant des techniques divinatoires. Il avait des techniques divinatoires, des techniques pour entrer en contact avec le divin.
Les sorciers de tout poil ont toujours recours à ces techniques-là, certaines nourritures, certaines musiques, certaines paroles qu'ils répètent, etc., etc., qui leur permettent d'atteindre la source de la révélation. Avec le Seigneur, ce n'est jamais ainsi. Jamais, il n'y a jamais de recours à des techniques. Vous voyez ça aussi, par exemple, avec les magiciens de l'Égypte. Je vous ai dit, les magiciens de l'Égypte firent les miracles que faisait Moïse jusqu'à un certain point, comme on le sait, par leur technique, dit littéralement l'hébreu. Moïse, lui, l'homme de Dieu, agissait sans technique. Il agissait sur la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends ton bâton et frappe les eaux du Nil, et les eaux du Nil deviendront du sang. » Ce n'est pas le fait d'avoir frappé les eaux du Nil avec le bâton qui fait que les eaux sont changées en sang. Le bâton de Moïse n'est pas une baguette magique. Mais c'est parce que Dieu a dit, « Tu vas faire ce geste, et les choses seront ainsi. » Nous voyons ça aussi avec l'histoire du rocher frappé. Au début de l'histoire des Israélites, les Israélites n'ont pas d'eau dans le désert, tu dis à Moïse, prends ton bâton, frappe le rocher et l'eau va sortir. Et des années plus tard, la même situation se reproduit, les Israélites n'ont pas d'eau, ils sont devant un rocher. Et Dieu dit à Moïse, maintenant tu vas parler au rocher. Et Moïse, se souvenant de ce qui s'était passé la première fois, frappe. Pourquoi ? Parce que justement, il réduit la parole de Dieu à une technique. Avec Dieu, il n'y a jamais de technique. La source du pouvoir du prophète, de l'homme de Dieu, c'est la parole de Dieu uniquement. Il agit sur la parole de Dieu. Et quand il agit sur la parole de Dieu, les choses se passent. Mais s'il agit en dehors de la parole de Dieu, rien ne se passe. Ou alors, comme pour Moïse, eh bien, il est jugé. Balaam, la troisième fois, nous a dit, il n'alla pas au-devant des pratiques occultes comme les premières fois. Mais l'Esprit du Seigneur fut sur lui. Et voilà le mot important. Les trois premières fois, l'Esprit du Seigneur n'était pas sur lui. Les deux premières fois. La troisième fois, l'Esprit du Seigneur fut sur lui. Alors il prononça son machal et dit. Et voilà justement ici, le Saint-Esprit tient lieu de technique. C'est-à-dire que la venue du Saint-Esprit sur l'homme de Dieu le rend capable d'entrer en contact avec la source de la puissance de Dieu, ça veut dire d'entendre la parole de Dieu. L'attouchement du Saint-Esprit est une préparation pour que l'homme de Dieu puisse entendre la voix de Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, si Dieu lui demande de faire des miracles, il va faire des miracles sur la parole de Dieu. Élie, quand il sera sur le mont Carmel, prie le Seigneur, disant « Seigneur, envoie, on peut demander au Seigneur, le Seigneur répond ou ne répond pas. » Et que l'on sache que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai agi, j'ai fait toutes ces choses sur ta parole. Ça, c'est la marque de l'homme de Dieu véritable. Il a agi sur la parole de Dieu, conformément à la parole de Dieu. Donc ici, l'Esprit est une préparation à l'œuvre de Dieu, c'est une mise à part. Quand l'Esprit de Dieu vient sur un homme, eh bien, il le met à part pour ensuite un service que le Seigneur veut lui donner. Et le Saint-Esprit vient sur un prophète pour lui donner la force de parler et de communiquer la vision qu'il a reçue. Alors parfois, l'Esprit est premier, il y a d'abord la révélation, il y a d'abord l'attouchement du Saint-Esprit, puis la révélation, et puis ensuite la parole qui est communiquée, l'oracle prophétique. Parfois c'est l'inverse, parfois c'est d'abord la vision, puis comme conséquence de la vision, l'Esprit Saint vient sur celui qui a eu la vision, et puis ensuite l'oracle est donné. Bon, ça varie, c'est pas la chose importante. Et le but du Saint-Esprit aussi est de purifier l'homme, parce que pour pouvoir servir le Seigneur, il faut que l'homme soit purifié, soit sanctifié. Ce qui n'est pas le cas chez le prophète païen, bien sûr. Mais pour l'homme de Dieu, il y a toujours cette nécessité de la sainteté, de la mise à part. Et dans ces cas-là, on peut dire que la Torah, par exemple, est prophétique.
La tradition chrétienne occidentale oppose la loi et les prophètes. La loi n'étant pas spirituelle, les prophètes étant quelque chose de spirituel. Mais la Torah n'est rien d'autre que la prophétie. C'est la même nature. Elle est, je dirais même, l'expression même de la prophétie, plus parfaite encore que celle des prophètes, parce que Moïse était un homme qui voyait Dieu face à face, qui parlait à Dieu face à face comme un homme parle à son ami, tandis que pour les prophètes, dit Dieu dans le livre du Deutéronome, c'est « je parlerai par un intermédiaire, par l'intermédiaire de la vision ». Alors il n'y a pas cette opposition entre Torah et prophétie. On peut aller plus loin, il n'y a pas non plus cette séparation qui existe à la tradition chrétienne occidentale entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est une continuité. C'est le même esprit qui agit, c'est le même Dieu qui agit selon les mêmes méthodes. Il y a simplement une amplification. Nous allons voir quand nous arrivons au Nouveau Testament. Ce qui était limité à un petit nombre d'hommes dans l'Ancien Testament à cause de Jésus, celui qui est loin du Saint-Esprit, va maintenant être accessible à tous. Et va s'accomplir la prière de Moïse au moment de ce qu'on appelle la Pentecôte du désert. Quand les 70 anciens avaient reçu l'Esprit, « Oh, dira Moïse, que tout le peuple de Dieu puisse être composé de prophètes. » De prophètes non pas dans le sens étroit du terme, mais de gens qui sont remplis de l'Esprit. Dans le sens de gens qui sont remplis de l'Esprit. Et en Jésus, à la Pentecôte, à cause du baptême du Saint-Esprit, eh bien, cette prière de Moïse s'accomplit. Et comme l'avait annoncé Joël, le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. C'est la seule différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était limité à un petit nombre d'hommes choisis. Et dans le Nouveau Testament, à cause de Jésus, c'est accessible à tous. Et nous allons voir dans un instant pourquoi. Bon, maintenant, l'Esprit, nous avons dit, dans l'Ancien Testament, était une préparation à l'œuvre de Dieu, une mise à part. Et il est question dans l'Ancien Testament d'hommes qui ainsi étaient mis à part par l'onction de l'Esprit de Dieu. Par exemple, nous avons parlé tout à l'heure de la Pentecôte du désert, nombre 17, au cours de laquelle le Saint-Esprit qui était sur Moïse, nous allons voir c'est important cette nuance, qui était sur Moïse, est répandu sur 70 anciens d'Israël pour que ces derniers soient associés au ministère de Moïse et que ce dernier ne soit pas seul à porter la charge du peuple. Puis ensuite, dans 1 Samuel 10, verset 6, nous trouvons aussi ce qu'est l'expérience de Saül, le premier roi d'Israël, quand après avoir été oint par Samuel, il rencontre une troupe, nous est-il dit, de prophètes qui descendent du haut lieu et qui vont prophétisant au son de toutes sortes d'instruments de musique. Saül est saisi par l'Esprit de Dieu en cet instant, et il se met à prophétiser avec ces prophètes-là, en sorte que l'on dit, il y a ce proverbe qui naît alors en Israël, Saül est donc aussi du nombre des prophètes. De quelle prophétie s'agissait-il là? Est-ce que ces gens allaient au son de toutes sortes d'instruments de musique pour annoncer aux gens l'avenir? Donald G. lui-même est... Les savants de l'Université de Jérusalem pensaient qu'on a là affaire à une sorte de glossolalie, déjà. Peut-être que ce n'est pas encore exactement la glossolalie qu'on trouve dans le Nouveau Testament au moment de la Pentecôte, mais en tout cas c'est quelque chose qui ressemble. Cette onction de l'esprit, ces prophètes, entre guillemets, ce n'est pas vraiment des prophètes au sens, encore une fois, étroit du terme, comme le sera Isaïe par exemple, mais prophètes dans le sens de gens qui ont reçu l'Esprit. Plus tard, pour faire la différence entre les prophètes véritables au sens strict du terme et les hommes de l'Esprit, on emploiera l'expression « fils des prophètes » à l'époque d'Élie et d'Élisée. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ces gens-là ont pour père un prophète, ça veut dire simplement qu'ils sont des hommes de l'Esprit, des hommes remplis du Saint-Esprit. Et que l'Esprit, en quelque sorte, les amène à prononcer des choses incompréhensibles, à louer le Seigneur avec les instruments de musique. Pourquoi des instruments de musique? Parce que justement, c'était une louange.
on utilisait les instruments de musique non pas pour faire des concerts qui étaient retransmis à la salle Pléguel, mais parce qu'on voulait louer le Seigneur. Donc c'était une louange qu'exprimaient ces prophètes-là, et une louange qui manifestement était incompréhensible pour ceux qui l'entendaient. Et la marque des hommes de l'esprit, c'était cet enthousiasme au sens étymologique du terme, puisque enthousiasme en grec signifie Dieu en soi, cet enthousiasme qui les poussait à louer le Seigneur d'une manière qui semblait étrange aux autres. Donc c'était une préparation. Et au milieu de ces gens-là, Dieu saisissait des hommes dont il avait besoin. Les juges étaient des hommes de l'esprit, manifestement. L'esprit du Seigneur fut sur Jephté. L'esprit du Seigneur se saisit d'Éhoud. L'esprit du Seigneur fut sur Samson, etc. C'était des hommes de l'esprit. Il y avait dans l'ancien Israël aussi une institution particulière. C'était l'institution du Naziréat. Certains faisaient un vœu de Naziréat. Parfois, leurs parents le faisaient pour eux. Ils le faisaient pour un temps limité, quelques mois, quelques semaines, quelques années, ou on le faisait à vie. Bon, le vœu de Naziréat comportait un certain nombre de règles assez strictes qui sont évoquées dans la Bible. Bon, je n'entre pas dans ce genre de détails ce soir. Mais quel était le but? Eh bien, en particulier, un détail qui a son intérêt, c'est que le nazir ne devait consommer aucune liqueur, aucun alcool. Pourquoi? Parce que justement, le nazir, c'était quelqu'un qui se mettait à part pour Dieu. C'était quelqu'un qui disposait son cœur, qui s'offrait au Seigneur, en quelque sorte, pour que si le Seigneur avait besoin de saisir un homme par son esprit, eh bien, il trouve des hommes qui étaient disponibles. Ça n'a rien à voir avec une technique, nous disions tout à l'heure, mais c'est en quelque sorte une disponibilité de vie, une disponibilité de cœur, pour que si Dieu voulait se saisir d'un tel homme, il puisse le faire. Et justement, pourquoi pas de vin? Pour qu'on ne confronte pas la visitation du Saint-Esprit avec justement l'ivresse que produit l'alcool. Vous savez que le jour de la Pentecôte, on disait des apôtres, ils sont pleins de vin doux. Il peut y avoir une confusion entre l'euphorie que provoque l'alcool et celle du Saint-Esprit dans les tout débuts, bien sûr, après ça change. Mais le nazir était quelqu'un qui était disponible pour l'Esprit de Dieu, donc il ne fallait qu'il n'y ait absolument aucun obstacle, rien qui puisse être cause de confusion dans ce domaine-là. Et alors, c'était le premier pas, les nazirs. Et quelques-uns des grands prophètes étaient des nazirs. Samuel, par exemple. Samson, également. Plus tard, Jean-Baptiste. Paul aussi, pendant un temps, avait fait vœu naziréat, nous le savons. Donc, si vous voulez, c'était une recherche de Dieu particulière qui permettait d'accéder au stade suivant, celui d'homme de l'esprit, fils des prophètes. Et puis enfin, il y avait le troisième stade, si j'ose dire, selon la souveraineté de Dieu, parmi ses fils des prophètes, Dieu saisissait un homme pour l'établir et faire de lui un prophète. Ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que ces hommes de l'esprit se rassemblaient. Ils vivaient dans des sortes de communautés prophétiques. Les prophètes de Saül, etc., étaient ensemble. C'était une troupe de prophètes qui descendait du haut lieu. Les fils des prophètes étaient aussi ensemble, etc. Nous savons également, quand nous lisons par exemple le livre d'Ésaïe, qu'un homme comme Ésaïe avait des disciples. Il y avait autour de lui des hommes qui, en quelque sorte, vivait de la visitation de l'Esprit qui était sur lui. Moïse aussi. Et les 70 anciens, qu'est-ce qu'ils étaient, sinon, justement, ce que seront les fils des prophètes par rapport à Élie et à Élisée? Or, ce qui est remarquable,
c'est qu'il y a toujours un homme, si j'ose dire, de référence. Et les hommes de l'esprit se regroupent autour de l'homme de Dieu de l'époque. Et c'est là que je reviens à ce que nous disions tout à l'heure. Dieu dit à Moïse, dans Exode 17, « Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. » Les fils des prophètes descendus au lieu et qui officiaient au lieu, nous le savons, à cette époque-là, c'était Samuel. L'homme de l'esprit, c'était Samuel. Et nous retrouvons ces mêmes fils des prophètes quelques années plus tard, ou ces mêmes prophètes, à cette époque-là, on ne les appelle pas fils des prophètes, nous l'avons vu. Nous retrouvons autour de Samuel. Et quand Saül vient pour se saisir de Samuel, il est lui-même saisi par l'esprit, il se met à prophétiser avec tous les prophètes qui sont là. Les fils des prophètes sont groupés autour d'Élisée, etc. Pourquoi ? Parce que l'homme de Dieu est un intermédiaire entre ces hommes-là, ces prophètes, je dirais, de... J'oserais employer le mot seconde classe, ce serait péjoratif. Enfin, plutôt de premier stade, on pourrait dire, de l'onction prophétique. Et puis, le Seigneur. Ils n'ont pas un contact direct avec l'Esprit de Dieu, si j'ose dire. Mais ils vivent de l'Esprit qui est sur l'homme de Dieu. « Je prendrai de l'Esprit qui est sur toi, dit Dieu à Moïse, et je le mettrai sur eux. » C'est l'Esprit de Moïse, c'est l'Esprit qui est sur Moïse et qui vient sur eux. Il y a une contagion de l'Esprit. Et ça, vous retrouvez dans l'expérience moderne, l'expérience post-pentecostale, n'est-ce pas ? Souvenez-vous, par exemple, d'une expérience qu'évoque Martinus Bière. Martinus Bière, dans son livre, quand il est devenu prophète, raconte comment ça s'est passé. Il y avait un véritable prophète qui est venu dans une église proche de la localité qu'il habitait. Et Martinus Bière avait entendu parler de cet homme de Dieu. Et il avait beaucoup d'admiration. Alors il avait fait le voyage pour assister à la réunion que devait présider ce prophète pour entendre l'homme de Dieu. Et il commençait déjà à prêcher à cette époque-là, etc. Et s'est assis humblement dans la salle, comme il faisait. Et puis le pasteur l'a reconnu. Il lui a dit, « Monsieur Bière, venez vous asseoir avec nous sur l'estrade. » Et il s'est trouvé assis à côté du prophète. Et il raconte avec à la fois sa naïveté et sa simplicité, n'est-ce pas, comment il était impressionné d'être assis à côté de cet homme de Dieu, qu'il sentait qu'en quelque sorte la puissance de Dieu qui irradiait de cet homme. Et alors, il avait tellement envie de recevoir cette puissance qu'il a prié en son cœur, il a dit, « Seigneur, eh bien, permets que je vais toucher cet homme-là et puis qu'en quelque sorte l'Esprit qui est sur lui vienne sur moi. » Et alors, un petit peu comme la femme dont il est question dans l'Évangile, discrètement, il a approché la main, il a touché, je crois, le manteau de l'homme de Dieu, de telle manière qu'il ne puisse pas le sentir. Mais comme c'était un homme de Dieu, comme pour Jésus, il a senti qu'une force était sortie de lui. Il a compris ce qui s'était passé, il s'est retourné vers Martinus Bière qui a été tout confus, il dit, ça y est, il s'est rendu compte, n'est-ce pas, il a rougi, etc. Le prophète a posé sa main sur son épaule, lui a simplement dit « Alléluia ». Il a compris ce qui s'était passé et depuis ce temps-là, l'Esprit du Seigneur est venu sur lui. C'est la même chose, je prendrai l'Esprit qui est sur lui et je le mettrai sur toi. Donc ces hommes vivent de l'Esprit de l'homme de Dieu. Mais quand l'homme de Dieu s'en va, eh bien les fils des prophètes sont orphelins. Et c'est le drame quand Élie va être enlevé. Les fils des prophètes ont été avertis par l'Esprit. Le Seigneur enlève ton maître aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va faire? Si l'homme de Dieu s'en va, l'Esprit qui est avec lui s'en va. Mais là, vous savez comment Dieu va susciter quelqu'un qui va relever le manteau, qui va en quelque sorte recevoir l'Esprit de Dieu, c'est Élisée. Parce qu'Élisée va se hisser du niveau, en quelque sorte, de fils de prophète qu'il avait été, il va se hisser au niveau de prophète. Plutôt, le Seigneur va l'élever à ce niveau-là. C'est pas ? Et ça, vous retrouvez le parallèle dans la Nouvelle Alliance. C'est bien évident. Et c'est là, justement, que nous arrivons à la grande différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. À chaque époque, Dieu suscite un prophète apôtre. Il l'avait promis. Avant la mort de Moïse,
Dieu avait dit, le Seigneur vous suscitera un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et on pourrait dire qu'il y a, au sens biblique du terme, j'emploie à dessein un mot, une expression qui est piégée, il y a une succession apostolique. Pas dans le sens où l'entendent les catholiques, mais dans ce sens qu'il y a, en quelque sorte, une transmission où Dieu suscite à chaque génération un homme de Dieu qui va poursuivre l'œuvre, qui va être l'homme témoin, qui va être l'homme de référence, qui va être l'envoyé de Dieu, l'apôtre en quelque sorte, au sens étymologique du terme, dans son temps, dans sa génération. Ça commence par Moïse, Josué, les juges, Samuel, David le roi prophète, puis ensuite les différents prophètes que Dieu va susciter jusqu'à la fin de l'âge de vétérotestamentaire. Et à la fin de l'âge vétérotestamentaire, quand il n'y a plus la foi, en quelque sorte, dans l'action prophétique de Dieu, comme le dit un des prophètes, vous avez dit aux prophètes, ne prophétisez pas, vous avez fait boire du vin aux nazirs, eh bien la voix prophétique se tait. Mais avec la promesse qu'au temps de la fin, l'Esprit du Seigneur sera à nouveau répandu. Ce sera le signe de l'âge messianique. L'âge messianique sera ouvert quand ? Quand Dieu suscitera un prophète, à nouveau. Remarquons que cette fermeture du ciel n'est pas aussi systématique que cela. Parce que, avant l'apparition de Jean-Baptiste, qui était le prophète annoncé, nous entendons parler de Siméon, qui était ouvert à l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint était sur lui, de la prophétesse Anne, etc. Mais ce n'était plus des grands prophètes, comme le sera par exemple Jean-Baptiste. Et quand l'Esprit du Seigneur agit dans la personne de Jean-Baptiste, alors c'est le signe pour tout le peuple que l'âge messianique est imminent, que la venue du Messie est imminente. Or, qu'est-ce que c'est le Messie ? Et là, justement, ça aussi, on ne comprend pas toujours très bien. Messie, Mashiach, en hébreu, c'est l'abréviation de l'expression « Meler HaMashiach », le roi oint. Bon, l'onction, c'était l'onction d'huile, sur les rois, justement, mais l'huile était symbole de l'Esprit Saint. Donc, loin de l'Éternel, le Messie, c'était quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit, qui était oint du Saint-Esprit. Et Jésus commence son ministère messianique quand ? Quand l'Esprit du Seigneur descend sur lui au Jourdain. Et il commence son ministère par ces paroles, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour accomplir tous les miracles, etc. » qu'évoque le prophète Ésaïe. Donc, Jésus, c'est loin de l'Éternel par excellence. Il est, en quelque sorte, non seulement le nouveau Moïse, celui qui a une relation directe avec Dieu, mais Jean dira de lui, « Il reçoit l'Esprit de Dieu sans mesure. » Parce qu'il fait toujours ce qui lui est agréable. Les autres prophètes limitaient en quelque sorte l'onction de l'Esprit par leur faiblesse humaine, par leur péché, par leur désobéissance, que sais-je encore. Mais Jésus, lui, reçoit l'Esprit de Dieu sans mesure. Et c'est pourquoi il est par excellence le Mashiach, le oint du Saint-Esprit. Et quand nous disons en français Jésus-Christ, la plupart des gens ne savent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, disons, Jésus le rempli du Saint-Esprit. Voilà ce que ça veut dire. Or, nous avons vu que ceux qui venaient en contact avec l'homme de Dieu recevaient, s'ils avaient le cœur ouvert, quelque chose de son esprit. Quand Saül est venu au contact de Samuel, il a reçu l'esprit qui était sur Samuel. Quand les anciens qui étaient dans le désert ont disposé leur cœur, y compris ceux qui étaient dans le camp, ils ont reçu l'esprit qui était sur Moïse. Quand ceux qui étaient autour d'Élie et d'Élisée s'approchaient avec un cœur droit et sincère de ces hommes-là, quelque chose de l'esprit de ces hommes-là venait sur eux. Il est donc tout à fait logique et tout à fait normal que Jésus, celui qui a reçu l'esprit de Dieu sans mesure, que tous ceux qui s'approchent de lui reçoivent son esprit. Et là, nous voyons qu'il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite dans le temps,
Il n'y a plus de limite dans l'espace. Quand Jésus a été glorifié, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pierre dira le jour de la Pentecôte, il a donc reçu du Père l'Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez aujourd'hui. Il a reçu du Père l'Esprit qui avait été promis et il l'a répandu. Et tous ceux qui viennent à son contact par la foi, et Pierre ne fait aucune limite, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux que le Seigneur appellera, tous ceux qui croiront, encore une fois, sans limitation d'espace ni de temps, il n'y a plus de mesure maintenant à l'onction de l'Esprit. Ce qui veut dire que la promesse qui avait été faite par le prophète Joël peut s'accomplir. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et c'est la marque des temps messianiques, c'est qu'il n'y a plus de limitation. Vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, même les esclaves. Sur les esclaves, c'est pas le serviteur, hein, en hébreu, c'est le mot esclave. Donc, les derniers des derniers, ceux qui te c'est pas normal qu'ils prophétisent. Mais même ceux-là prophétiseront. Même les derniers des derniers prophétiseront. Tant sera puissante l'onction de l'Esprit qui est sur l'homme de Dieu, le Messie. Et pourquoi? C'est pour ça qu'il n'a plus de successeur. Il est la source de l'effusion de l'Esprit maintenant pour l'éternité. Enfin, pour le temps, en tout cas, jusqu'à son retour. Et le Saint-Esprit, maintenant, peut être communiqué à chacun. Et c'est là la grande différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Que peut-on dire encore en ce qui concerne l'Ancien Testament? J'ai à peu près terminé là-dessus. C'est que c'est également le signe du royaume. Le royaume des cieux, c'est le royaume dans lequel l'Esprit du Seigneur aussi est à l'œuvre. Il y a à la fois les phénomènes qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, mais qui vont se trouver amplifiés, encore une fois, à chacun des membres du peuple de Dieu. Et Dieu peut susciter au milieu de son peuple, dans la Nouvelle Alliance, des prophètes. Il peut susciter des hommes qui auront des dons de guérison, qui auront des dons de paroles de sagesse, qui auront des dons de miracles, sans aucune limitation. Or, l'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit qui combat l'Esprit des ténèbres qui est dans le monde. L'Esprit des ténèbres, il est l'Esprit par lequel le prince des ténèbres règne sur ce monde. Et ce faisant, il tient les hommes dans la servitude, les opprime, il les séduit, il les tente, les conduit au péché, il les afflige par la maladie, et enfin, comme dit l'apôtre, il a la puissance de la mort, le diable. Mais quand le Seigneur agit par son esprit, c'est-à-dire par le doigt de Dieu, car ce serait intéressant, ce serait toute une étude à faire, de voir les synonymes du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit est assimilé à la bouche de Dieu, au doigt de Dieu, à la main de Dieu. Quand par exemple Néhémie déclare « La bonne main de Dieu était sur nous », il veut dire « L'Esprit de Dieu était sur nous ». Le doigt de Dieu, c'est par le doigt de Dieu que Moïse fait les miracles en Égypte. Alors que les magiciens ont recours à leurs techniques occultes, Moïse agit par le doigt de Dieu, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Et quand Jésus chasse les démons, il emploie cette même expression. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors, dit-il, c'est le signe que le royaume des cieux s'est approché de vous. Et dans un autre évangile synoptique,
à la place de l'expression de doigt de Dieu, on retrouve la même parole de Jésus. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu s'est approché de vous, dit Jésus. Il y a de nombreux synonymes de l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament qui indiquent cette action puissante et diverse de l'Esprit de Dieu. Or, que se passe-t-il quand l'Esprit du Seigneur est à l'œuvre? C'est ce que Jésus dit aux envoyés de Jean, Baptiste. Les boiteux marchent, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ça veut dire que les victimes de Satan sont libérées. Ceux qui sont affligés de maladies et qui sont guéris sont affligés par Satan. Ce n'est pas le Seigneur qui afflige de la maladie. Et quand, par la puissance de l'Esprit, un malade est guéri, c'est le signe que l'Esprit du Seigneur est plus puissant que l'Esprit de Satan. C'est donc le signe que déjà, le royaume de Satan est ébranlé, que déjà, le royaume des cieux n'est pas encore venu. Et comme disait Jésus, quand ses disciples reviennent, après qu'il les ait envoyés en mission, vous savez, ils sont heureux, ils disent « Seigneur, même les démons nous sont soumis, etc. » Jésus les envoie, d'ailleurs la mission est bien claire, hein. Purifier les lépreux, guérissez les malades, ressusciter les morts, annoncer la bonne nouvelle. Et quand les disciples reviennent, disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis », Jésus dit « Je voyais tomber Satan du ciel comme dans un éclair ». Ça veut dire le royaume de Satan est ébranlé chaque fois que l'œuvre de l'Esprit se fait dans une vie, que ce soit dans la nouvelle naissance, que ce soit dans la guérison, que ce soit dans une direction de l'Esprit, chaque fois que l'Esprit est à l'œuvre, le trône de Satan est ébranlé un petit peu plus et il chancelle. Et c'est alors, depuis que l'Esprit du Seigneur est à l'œuvre en la personne de Jésus, que s'accomplit la parole de l'Apocalypse, qui est celle que proclament les rachetés. Le royaume de ce monde est en train de devenir, dit littéralement le texte original, le royaume de ce monde est en train de devenir le royaume de Dieu et de son Messie. Pour l'heure, ce royaume est le royaume du monde et du prince de ce monde. Mais par sa venue, par sa mort, par sa résurrection et par l'œuvre qu'il poursuit depuis son ascension, Jésus a introduit en quelque sorte une bombe à retardement dans le royaume de Satan. Et les fondements de ce royaume sont déjà ébranlés. Et les signes de cet ébranlement sont visibles. Sont visibles partout où l'Esprit du Seigneur est à l'œuvre. Et un jour viendra où l'ennemi sera lié, réduit à l'impuissance, et où, comme le disent les rachetés, toujours dans le même cantique dans le livre de l'Apocalypse, il régnera au siècle des siècles. Le Seigneur régnera au siècle des siècles. Et c'est pourquoi ici, le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, est le signe que le royaume de Dieu s'est approché. Finalement, c'est l'écho de ce que le prophète avait annoncé dans Ésaïe 57, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de bonne nouvelle, du messager de paix. Bien, dès avant l'époque de Jésus, ce texte avait été compris comme se référant au Messie. Le messager de bonne nouvelle, c'est le Messie. Quand le Messie viendra, il sera le messager de la bonne nouvelle. C'est comme ça, notamment, que les premiers chrétiens juifs ont compris ce texte. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé le message de Jésus, la bonne nouvelle, l'évangile. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de bonne nouvelle. Et donc, Jésus est le messager de la bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? Le messager de paix, le messager de salut, celui qui dit à Sion, ton Dieu règne.
Et l'expression que Jésus aimait employer, le royaume de Dieu, vient de là. Qui dit à Sion, ton Dieu règne. C'est pas simplement une parole de style. Il faut le montrer, il faut le prouver. Le messager qui vient et qui dit ton Dieu règne, il faut qu'il montre qu'effectivement Dieu règne. Et c'est pourquoi Jésus accomplit des signes par la puissance du Saint-Esprit. La Bible n'emploie pas le mot miracle. La Bible, en moi, emploie le mot signe. Ce sont les signes qui confirment la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est de dire ton Dieu règne. Et quand le Seigneur règne, il y a la paix, il y a le salut. Et c'est pourquoi Jésus emploie cette même parole quand il envoie ses disciples. Il dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Faites bien attention à la parole. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et voici les signes, encore une fois, ce n'est pas les miracles. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Les miracles sont des signes qui confirment la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que ton Dieu règne. Si ton Dieu règne, tu peux déjà entrer sous le règne de Dieu, sous la domination de Dieu, et par conséquent déjà échapper à l'autorité de Satan. Et le règne de Dieu, il est paix, il est justice, il est vie, il est guérison. Il est destruction des œuvres du diable. Et déjà, ceux qui reçoivent sur eux le joug du royaume de Dieu peuvent déjà faire cette expérience, ton Dieu règne. En attendant le jour où, eh bien, le Seigneur régnera totalement sur tous les hommes. Pour le moment, il ne règne pas sur tous les hommes, mais il peut déjà régner sur quelques-uns. Et l'instrument du royaume de Dieu dans le cœur de cela, c'est l'Esprit. C'est pourquoi, je dirais dans la troisième dispensation, qui est la nôtre, l'Esprit du Seigneur est important. Nous avons vu, on peut diviser en quelque sorte l'histoire, je ne suis pas dispensationaliste au sens d'arbiste du mot, bien sûr. Et ça, c'est des mots piégés aussi, le mot dispensation. Mais enfin, employons-le quand même, en nous mettant bien d'accord sur le sens des mots. On peut dire qu'il y a la dispensation de l'Ancien Testament, où la personne du Père est au centre. Il est évident, quand on lit l'Ancien Testament, que la personne divine qui est la plus en vue, c'est le Père, l'Éternel. Quand nous arrivons à la dispensation du Nouveau Testament, celui qui est le plus en vue, c'est le Fils, Jésus. Et quand Jésus remonte au ciel, entre le temps qui sépare son ascension et son retour, a lieu la troisième dispensation, la dispensation de l'Église. Et dans cette dispensation-là, je dirais la personne divine qui est la plus à l'œuvre et la plus évidente, c'est la personne de l'Esprit. Et l'expression a été employé pour les disciples qui étaient à Antioche pour la première fois, les Mishérim, les disciples du Mashiach, ce qu'on a traduit en grec par les Christianoi, d'où le mot chrétien en français. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire ceux qui sont oints du Saint-Esprit. Alors on voit justement la confusion qu'il y a sur les mots. Quand une foule de gens qui ont été baptisés enfants parce qu'ils ont reçu trois gouttes d'eau sur la tête dit « Je suis chrétien », c'est la confusion la plus totale. Et même, n'est-ce pas, dans certaines églises évangéliques, où sont les signes du royaume? Où sont les signes de l'Esprit de Dieu, de la présence de l'Esprit? Où sont dans la vie les disciples les signes
la présence de l'Esprit. Donc, les disciples ont été appelés Christianoi, Meshechim, parce qu'on voyait qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Parce qu'on voyait qu'ils étaient oints. Parce qu'il y avait les signes qui les accompagnaient. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par les signes qui les accompagnaient. Et c'est pourquoi il y a eu finalement une aberration terrible dans l'Église de Jésus-Christ tout au long des siècles. Non pas que le Saint-Esprit ait cessé d'être à l'œuvre, car le Saint-Esprit n'a jamais cessé d'être à l'œuvre dans l'Église. L'Église véritable. Mais évidemment, ça n'était pas toujours évident, ça n'était pas toujours reconnu, et souvent c'était même très caché. Mais dans notre siècle, par la grâce du Seigneur, maintenant, certaines églises, certains chrétiens ont redécouvert cette nécessité de l'action du Saint-Esprit. Et cette nécessité est d'autant plus grande, nous approchons maintenant du retour du Seigneur. Le temps où le Seigneur dit, dans ce temps-là, le temps de son retour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et c'est une aberration dans l'Église d'avoir négligé la personne du Saint-Esprit. Il y a des années de cela, je me souviens d'un inspecteur ecclésiastique luthérien qui avait écrit un petit livre qui s'intitulait, de la manière suivante, c'était très juste comme titre, « Le Saint-Esprit se méconnu ». Et quand j'ai préparé ces études, j'ai consulté un livre de théologie systématique qui est d'ailleurs écrit en commun entre des catholiques et des protestants, qui mettent à la fois en évidence ce qui est commun à tous les chrétiens, la foi qui est commune à tous les chrétiens, puis celle-là sur quoi on diffère. Mais alors qu'il y a un chapitre épais énormément sur Jésus, sur Dieu, etc., sur le Saint-Esprit, quelques pages. Le Saint-Esprit est la personne divine que l'on méconnaît le plus, dont on méconnaît l'action. Il ne faut pas s'étonner si l'Église est si pauvre. Il ne faut pas s'étonner si le témoignage est si peu percutant. Aussi longtemps qu'on n'aura pas reconnu l'importance de l'Esprit pour ce temps, l'importance de l'Esprit dans cette dispensation et plus encore quand nous avançons en direction du retour du Seigneur, il ne faudra pas s'étonner s'il n'y a pas l'action du royaume de Dieu. Et si l'Église ne peut plus proclamer la bonne nouvelle et dire « ton Dieu règne ». Alors, c'est pourquoi je pense que cette étude du Saint-Esprit que nous entreprenons maintenant est une étude qui est tellement importante. Et pour terminer, ce soir, je citerai simplement ici un autre texte. C'est quand même étonnant de voir comment toute la Bible est remplie du Saint-Esprit. Je l'ai vu, on a fait un rapide survol de l'Ancien Testament ce soir, à plus forte raison du Nouveau Testament, et que malgré, n'est-ce pas, cette présence du Saint-Esprit à chaque page, n'est-ce pas, eh bien, il y a eu une telle négligence de la personne du Saint-Esprit dans l'Église de Jésus-Christ. Ça, c'est aberrant, c'est incompréhensible. Plutôt si c'est compréhensible, c'est un ennemi qui a fait cela. C'est l'ennemi qui a privé en quelque sorte l'Église de son consolateur, de celui qui aurait pu justement lui donner son impact, sa force et sa puissance. Or, dans les premiers chapitres de l'Évangile de Luc, l'action du Saint-Esprit est aussi extraordinaire. On peut dire que ce qu'on appelle les Évangiles de l'enfance, les deux premiers chapitres de l'Évangile de Luc sont parmi les textes les plus charismatiques de la Bible. Et je pense en particulier à cette rencontre entre Marie et Élisabeth, mère de Jean-Baptiste, qui reprend finalement la salutation de l'ange à Marie lorsque Marie arrive. Et elle trace très ça, il nous est-il dit, de joie par l'esprit. Et elle emploie cette expression en grec, kairé, traduit par salut. Mais en fait, c'est une expression aussi qui désigne l'esprit. C'est la transcription du mot hébreu « chesed ». Et « chesed », c'est la grâce de l'esprit, la joie de l'esprit. L'esprit, c'est aussi la source de la joie du peuple de Dieu. En ce temps-là, Jésus tressaillit de joie par l'esprit. Et ce qui est parfaitement remarquable,
dans la lecture du Nouveau Testament, c'est cette présence de la joie. La joie dans la personne de Jésus. Vous savez, on présente souvent Jésus sous l'image de l'homme de douleur, qui se tord là de douleur sur la croix, sur les crucifix qu'on voit dans les carrefours, etc., etc. C'est vrai, Jésus était l'homme de douleur. Mais Jésus était rempli de joie. Ce que nous voyons, c'était la joie constamment. Et non seulement Jésus lui-même était dans la joie, mais il y avait de la joie autour de lui. Les foules qui le suivaient dans la joie. Et ça, c'est aussi, dans la tradition juive, une des marques des temps de la fin. Le royaume de Dieu, ton Dieu règne, ce sera le royaume de la joie, et le Saint-Esprit apportera la joie. Et le chesed, la grâce de Dieu, c'est la joie du Saint-Esprit. Et nous voyons que lorsque, par exemple, Philippe prêche l'évangile dans une ville de Samarie, il nous est dit, il fait des miracles, il y a des malades qui sont guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Et ça aussi, je crois que c'est une chose très importante. Bien sûr, je ne suis pas du tout ici d'accord avec certains excès dans les milieux de Pentecôte, où sous prétexte de joie, on tressaute, on tape des mains, on marche sur la tête, la création d'une ambiance, d'une atmosphère artificielle, non. Mais il est certain que la joie, c'est une des marques aussi de ce royaume de Dieu, dont Dieu règne. Dans le fond, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quelque chose qui remplit de joie. Salut à toi, Marie, dit l'ange, toi à qui une grâce a été faite. Toi sur qui repose le chesed de Dieu, la grâce de Dieu, réjouis-toi. Et c'est pourquoi les disciples de Jésus devraient être aussi remplis de cette joie. Nous voyons les disciples, quand ils ont été battus de verge, ils étaient remplis de la joie et de la puissance du Saint-Esprit, bien qu'ils aient été battus de verge. Alors c'est pour ça que je pense que cette étude sur le Saint-Esprit est importante, extrêmement importante pour nous, dans cette étude de la doctrine. Et grâce à l'expérience que nous pouvons faire aujourd'hui, la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons comprendre ce que les théologiens sont incapables de comprendre. Les théologiens sont capables d'écrire quelques misérables pages sur le Saint-Esprit parce qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Mais lorsque nous connaissons le Saint-Esprit, nous pouvons aller beaucoup plus loin. Et l'expérience nous conduit à la compréhension du texte biblique. Et la compréhension du texte biblique nous ouvre la possibilité de nouvelles expériences, donc d'un approfondissement dans les choses de l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi les deux choses doivent être vécues ensemble. À la fois l'expérience qui confirme l'Écriture et l'Écriture qui nous ouvre la possibilité d'expériences nouvelles et plus profondes. Alors si nous envisageons cette étude de cette manière-là, eh bien, cette étude sera profitable pour nous. Voilà simplement ce que je voulais dire ce soir, en quelque sorte encore en guise d'introduction à cette étude doctrinale du Saint-Esprit.